Dans votre dossier? Depuis février, l'hôpital de Lillebonne a ouvert deux lundis par mois une consultation un peu particulière, celle du docteur Bertin, praticien à l'Institut Régional de Médecine du Sport, basé au CHU de Rouen. Notre consultation va permettre également de faire un point sur vos douleurs, voir s'il y a des choses éventuellement qui vous empêchent de pratiquer. Électrocardiogramme, vérification d'absence de lésions articulaires, prescription d'un éventuel test d'effort, l'examen médical est poussé car la consultation a pour but de proposer aux patients des séances d'activité sportive adaptées à leur pathologie. Ça a été démontré qu'on avait un bénéfice sur le risque de récidive après un cancer du sein et on a ainsi un bénéfice sur la qualité de vie pendant la prise en charge du cancer du sein avec une amélioration de la fatigue, une amélioration des effets secondaires du traitement. Pour les addictions, c'est souvent une aide au sevrage par rapport à l'effet anxiolytique du sport et par aussi un effet de motivation. Sportif lui-même, le docteur Bertin a donc monté un partenariat avec son club, l'USL Badminton de Lillebonne, qui met un coach à disposition des patients pour les accompagner pendant les 10 séances de sport. Des plots verts là, jusqu'aux autres plots, sprint. Donc là c'est court, donc vous essayez vraiment, on pousse sur les cuisses et puis on accélère. Allez. L'idée c'est une séance qui est plutôt basée sur, je dirais, le cœur, donc on les fait bouger, on leur donne de l'activité, et une séance qui est plutôt basée sur un petit peu de renforcement musculaire et d'étirement, parce qu'ils ont quand même pas mal de raideurs musculaires et puis de fonte musculaire aussi. Le coaching va durer 5 semaines, mais l'objectif c'est que les patients conservent ensuite une activité physique définitive. J'étais pas du tout sportif et tout ça, et en l'espace de 3 semaines, un mois, bah je me suis mis au sport, et je pense petit à petit devenir addict au sport. Tous les jours je fais du sport maintenant, je vais courir, je vais marcher aux aulnes, et j'entraîne mon mari avec moi maintenant, je lui dis ça va pas te faire de mal. 3 heures de sport par semaine sont nécessaires pour un effet bénéfique sur la santé.